C'est si bon de te revoir, Meereen. Qu'est-ce qui t'amène sur Jeddah? J'ai rencontré un groupe pendant mes voyages. Ils cachaient les personnes sensibles à la force de l'Empire. Connaissez-vous le passage? La voie est close, étranger. Regarde un peu ça. Une vieille motojet Aratech. J'ai jamais pu en conduire. Je suis désolée, Jedi. Cette porte doit rester fermée. Nous avons repéré des patrouilles impériales. Je comprends. Au rapport, ma sœur. Nous avons vu deux autres patrouilles sur la crête. Où allaient-ils ? Ils retournaient au sud. Ils ont manqué de peu une de nos caches. La tempête nous a protégés. Elle a masqué les traces de notre passage. Observez l'horizon. Contactez-moi s'ils reviennent. Oui, mon frère. Beaucoup voyagé. As-tu trouvé des systèmes qui échappent à l'emprise de l'Empire ? Je n'en ai croisé aucun. Il y a d'innombrables ruines disséminées partout dans le désert. L'une d'elles pourrait faire une cachette idéale pour le passage. Salutations, Jedi. Je m'appelle Sœur Task. Moi, c'est Cal. La nouvelle de votre arrivée s'est vite répandue, jeune noble.
Maître Junta vous porte en haute estime. On a vécu beaucoup de choses, Serré et moi. Jeddah regorge d'artefacts perdus liés à votre ordre, parmi d'autres traditions. Si vous découvrez des parchemins ou tout autre objet digne d'intérêt, je vous les échangerai volontiers contre d'autres trésors que j'ai exhumés. Je vous dirai si je trouve quelque chose. Nous avons une dette envers vous. Pas mal ce que tu proposes. Je savais que cela vous plairait. T'en penses quoi ? On change de style ? Tu aimes ton nouveau look ? J'en suis plutôt fier. Ça marche et ça a l'air sympa.
L'esprit fan face à la force des autres. La première tablette ne disait-elle pas « la force vitale fleurit » Perspicace. Elles sont complètement incompatibles. Nous cherchons la vérité universelle, mon frère. Si une tablette parle de faner et l'autre de fleurir, elles ne sont pas universelles, par définition. Mais alors, qu'ont-elles donc en commun ? Qu'ont-elles donc en commun, mon frère ? Il faudra montrer ça aux Anachoret. Qu'il faut les lire. Plus de tergiversations. Je suppose que vous avez étudié le lemme de Sen. Oui, ma sœur. En effet, ma sœur. Alors, pouvez-vous m'expliquer le paradoxe du cinquième livre ? Sen explore l'antinomie de l'illumination. C'est un paradoxe sur le caractère inéluctable des cycles. Continuez. L'illumination est définie comme brisant les cycles. D'après le canon, la livre signifie subir les cycles. Plus nous cherchons à briser les cycles, plus nous l'incarnons. Mais en l'acceptant, nous vivons l'illumination, et donc nous brisons le cycle. Tout à fait. On a de la chance, BD. Il est bien préservé. Ce terminal devra attendre. Ah, Carl, j'espérais pouvoir vous parler de quelque chose. Il y a un site dans le désert nord. Il est plutôt ancien. Je m'y suis rendu durant mes premiers jours sur Jeddah, avant que l'Empire ne s'installe. Quel genre de site ? Il a été construit par ceux qui vénéraient les adeptes de la Force. On en sait peu sur eux, mais c'était fascinant. Ça vous intéressera peut-être ? On ira voir ça. Cordova dit vous avoir trouvé alors qu'il cherchait d'autres Jedi survivants. Oui. J'ai encore peine à croire que le destin nous ait réunis après tout ce temps. Un coup de chance qui nous aurait bien servi pendant qu'on cherchait l'Holocron. Je sais. Chance ou destin, peu importe. Je me réjouis que mon maître soit avec nous, bien en vie. Oui. Et plus décidé que jamais à nourrir la flamme des Jedi pour résister à l'Empire. Heureusement que t'as pas eu à braver cette tempête. Et ça fait quoi de se retrouver aux commandes du Mantis ? C'est comme rentrer chez soi. Alors pourquoi tu es triste ? Ben, ça fait trop longtemps. Mes instincts de pilote sont émoussés. Je sais à quel point c'est dur de reprendre ses habitudes quand on a perdu la main. Ah oui, hein ? Enfin, je regrette d'avoir quitté le Mantis. Je continue de penser que je vais me planter. Tu es parti par nécessité. Je suis sûr que tu retrouveras tes repères rapidement. Oui, oui, d'accord. T'es un bon ami, Cal. J'ai encore du mal à piloter avec ce nouveau bras. Mais je finirai bien par m'habituer. Enfin, j'espère. Thank you.
Hé, Cal. Attends. J'ai ça depuis que je me suis mis à mon compte. Ça m'a sorti de pas mal de problèmes, et je me suis dit que ça pourrait te servir. Meryn, c'est ça? Je pourrais t'en avoir un autre, si tu penses que tu... Pas besoin, Baud. Bon, bah ça va, on dirait. Mon maître n'a jamais aimé les blasters. Tu as dit un jour que ce n'était pas l'arme qui faisait le Jedi. C'est nous contre la galaxie, Cal. On doit utiliser tout ce qu'on a sous la main pour combattre l'Empire. Merci, Baud. Bon, je vais te montrer comment ça marche. Un vrai Stormtrooper est toujours en mouvement. On va bien commencer quelque part. Et ben voilà. Pas mal, Jedi. Donc, tu travailles depuis quand pour serrer? Je ne travaille pas pour serrer. C'est vrai. Désolé. Détends-toi, Cal. Concentre-toi et appuie sur la défense. Faut vraiment à ce mannequin. Cal, mannequin, Stormtrooper. Tout le monde. C'est sympa de te voir, Meryn. Bonne chance, Cal. Je serai peut-être encore là à ton retour. J'espère. Alors, où est-ce qu'on va en premier? Sur Kobo ou sur la Lune? Commençons par le labo de la Lune. Ça marche. Peut-être qu'on pourra y trouver quelque chose qui nous aidera à traverser l'abysse. La boîte à outils de Cordova sur Bogano. Ses affaires doivent toujours être là, à attendre. Cette plume d'oiseau chiot est censée porter chance. C'est la salière de Grise. Mais où j'ai mis le poivre? Chaque jour, je me demande si j'ai fait le bon choix. Ok, ensuite... La lune brisée, très bien. Peut-être que ces anachorètes sont pas si mal, finalement. Tu les avais pas traités de cinglés? Ça, c'était avant que ces Rem disent qu'ils aidaient les réfugiés à se cacher de l'Empire. Ah bon? Ouais. Ils bossent avec un groupe qui s'appelle Le Passage. C'est du top secret. Ne le répète à personne, surtout. C'est compris. On dirait que t'as une bonne équipe. Enfin, que t'avais.
Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Alors comme ça, Cordova pense qu'on découvrira comment traverser l'abysse dans l'ancien repère de Dagan. C'est ça. T'as déjà entendu parler du laboratoire sur cette lune, Grise? Et je suis un latéraux très occupé, pas un guide touristique. Pas le temps de visiter des lunes brisées. D'abord Jeddah, maintenant ça. Les lunes nous apportent que des ennuis. Jeddah est une lune? Première nouvelle. Prépare-toi, Cal. On est presque arrivé. Juste un peu rouillé. Et toi? Un peu secoué, mais... ça va aller. Si c'est monsieur optimiste qui le dit... Hé, fais-moi plaisir, tais-toi un peu. Tu me donnes des crampes d'estomac. Ça, c'est à cause de ta cuisine. C'était quoi, ça? On y est presque. Les gens du coin disent que la lune est hantée. Ça va? Moi? Ah oui, oui, carrément. Oh, je suis ravi que t'aies encore décidé de poser le Mantis sur une lune hantée. Je serai pas long. Il faut que je cherche l'observatoire que Cordova a trouvé dans les archives. Oh, bien sûr. Prends ton temps. Ils auraient pas pu construire ce laboratoire dans un endroit plus ensoleillé? Ouais. Mais si on pouvait trouver quelque chose pour nous aider à naviguer dans l'abysse de Kobo... La presque des Grises, cet abysse est un cimetière de vaisseaux. Et nous voilà maintenant dans un cimetière lunaire. Beaucoup de cimetières. On dirait, ouais. Z.
Z peut sûrement récupérer les données dessus. Cette station est fermée. Ils sont là. Qui est là? Nous avons été attaqués. Protocole d'évacuation en cours. Cordova a dit que Dagan s'était déjà rendu dans un laboratoire sur cette lune. Kree est forcément derrière tout ça. Il croit vraiment qu'il y a quelque chose après l'abysse. C'est ce que pense Santari Kree. J'imagine que ça suffit au conseil. Bon, bah, c'est pas par là. Je ne pensais pas que cet endroit serait encore opérationnel. Il faut être prudent. On doit trouver ce labo. Statut de l'installation, actif. Statut du complexe, inactif. Grâce ! Frappe-moi encore ! Décollage ! Fais mieux que... Surprise ! C'était quoi ? Non ! Attendez. Que disent les relevés? Ça ne tiendra pas. Nous devons encore renforcer cette chambre.
Je vais l'éventrer. Je me suis entraîné pour ça. Et alors, révise mon attitude. Place à l'action. Fischer ! Il cherche quelque chose. Impossible de passer. Les performances du complexe sont sous optimales. Combien d'autres nous attendent encore ? Un mauvais pressentiment, hein ? Oui, moi aussi. J'attaque ! Et voilà, il file ! Arrête un peu de gesticuler ! Vite, dépêche-moi ! J'en ai un autre ici ! Quelqu'un d'autre veut essayer ? Un coup de main ! Unité à deux. Ils veulent vraiment pas qu'on fouille dans le coin, hein ? C'est verrouillé. Toujours efficace. Ça a l'air de bien tourner. Attaque réussie.
défaite est proche. Mise à jour des protocoles. Je pensais jamais devoir affronter un Magnagard. Voyons voir ça. On va rapporter ce disque de données à Z. Team BD. T'as trouvé quelque chose ? Il y a quelque chose ici. Thank you.
J'ai réussi. Je parie que Zed peut le déchiffrer pour nous. BD. C'est pas encore fini. C'est une blague. Beau travail, mon pote. Secteur 5 Delta. Aucune anomalie. Scan en cours. Secteur 5 Epsilon. Aucune anomalie. Scan en cours. On devrait secteur utiliser ça. Zeta. Une anomalie. Le ciel est brisé. Nous avons été attaqués. Allez, BD. C'est pas encore fini. On peut y arriver.
prêt, BD ? Bien, BD. Une autre base pour les pillards du chaos. Qui a programmé ces tas de ferrailles pour qu'ils soient aussi bavards ? Cette vieille ruine hantée. Mais si le patron dit qu'il y a quelque chose ici, c'est pas moi qui vais le contredire. Sera pas content si t'approches encore. Décampe d'ici, Jedi! Te voilà enfin! Dégage de là. Poursuite terminée. Tu veux pas te battre ? Je te traquerai jusqu'au bout. Activation du protocole de localisation. Tu veux. Ah.
Bien sûr. On va montrer ça à Zed. Assurez-vous que la zone est bouclée, si personne ne passe. Pas même cette vermine Jedi. La cible est un lâche. Tout à fait. On devrait faire passer le mot, leur dire qu'on l'a repéré. J'aimerais le tuer moi-même, mais je préférerais pas avoir affaire à Revis. Ce sera pour la prochaine fois. Ils ont l'air de défendre quelque chose d'important. Maintenant, ça dit que le recalibrage de mon programme pourrait améliorer la précision de mes tirs. Au moins, ça ne risque pas de l'empirer. Jolie trouvaille. On montrera ça à Zed. Lance-moi un skin, tu veux ? Si tu approches un endroit hautement stratégique, activation de la défense. Il ne passera pas. Il est rapide. Attaque réussie. Nous allons vous anéantir. Dégâts subis. Hey, BD. J'ai besoin d'aide, BD. Je l'ai blessé. Je tiens la cible. Ne vous arrêtez pas. Allez.
que soit ce qui nous attend, ils ne veulent pas qu'on y arrive. Bien joué. Ils veulent vraiment pas qu'on rentre. C'est trop lourd. Je pense pas pouvoir faire bouger ça.
Pauvres droïdes. Abandonnés ici pendant des siècles. Jusqu'à ce que les pillards les trouvent. Faudra montrer ça à Gandalf. On m'avait promis quelque chose d'intéressant et de... J'ai enduré bien pire que ça. Maintenant, c'est sérieux. Personnalisé. On peut peut-être le réparer. J'y vais. Je suis clairement le meilleur pilote pour cette mission. Tous les vaisseaux envoyés dans l'abysse ont disparu sans laisser de traces. Nous irons ensemble. Je ne te laisserai pas prendre ce risque seul. C'est ton invention. Personne d'autre ne la comprend. Tu es la seule qui puisse me guider. Très bien. J'enregistrerai le passage et je m'assurerai que tu nous reviennes. Criez Dagan. À toi de jouer, mon pote. C'est un Jedi. Oh non.
Évidemment. Tu sais bouger, toi. J'ai besoin d'aide. Ok. Maître Cordova a dit que Dagan avait une base sur Kobo. Allons la trouver. Quoi qu'il ait utilisé pour traverser l'abysse, on le trouvera peut-être ici. J'aurais aimé devoir ferrailler sur Braca dans tes jeunes années. Allez, en route pour... Pour Kobo, c'est ma tournée. Attendez, oubliez ce que j'ai dit. T'as jeté un œil sur la vieille tech que Cal a trouvée dans le labo? J'ai absolument rien compris. Peut-être qu'on comprendra mieux quand on sera allé voir le repère de Dagan sur Kobo. Les gens vont sur Kobo quand leur vie est foutue. Ils y vont pas pour la réparer. Et toi, Gris? Si tu sous-entends que j'étais un latéraux foutu à mon arrivée sur Kobo, tu te trompes. J'avais simplement besoin de faire une petite pause loin de vous. Assieds-toi, on est arrivé. Tu sais quoi sur les résidences de la Haute République sur Kobo? Quand je suis arrivé ici, j'ai fait un peu d'exploration de mon côté. Je suis entré dans un bâtiment, puis j'ai entendu des voix effrayantes et je suis sorti de là en vitesse. Je te le dirai si j'entends des voix, Grise. T'es malin. Sois prudent près de ces flèches de pierre, Cal. Qu'est-ce que tu sais? Apparemment, la base des pierres n'est pas très loin d'ici. Merci pour l'info. Les recherches de Maître Cordova montrent qu'il y a un village abandonné du côté est de la vallée. Allons jeter un œil.